Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de ce journal, l'annonce de l'événement tant attendu par toute la Suisse romande depuis 11 mois. C'est l'ouverture du mois FM de Fréquence Banane, la radio des étudiants. L'initiative populaire pour remplacer le salage des routes par du poivre est sur le point d'aboutir. L'accord entre Vaudois et Genevois, les deux cantons veulent trouver une entente sur une appellation commune pour dire lac de Genève ou lac Léman. C'est la fin d'un vieux conflit. Nous évoquerons aussi le nouveau centre d'apprentissage de l'EPFL qui est envahi par des souris. Et puis en revanche, toujours aucune trace du requin qui avait défrayé la chronique à Neuchâtel il y a 3 ans. Je vous le disais en titre, Fréquence Banane revient sur les ondes FM et cela dès le 18 mars. La préparation pour ce mois exceptionnel a nécessité un entraînement intensif. Notre équipe a pu suivre les derniers préparatifs. C'est dans les sous-sols de l'EPFL que se situent les studios de la célèbre radio des étudiants, Fréquence Banane. Depuis plusieurs mois, il y règne une agitation particulière. Nous avons rencontré les organisateurs du tant attendu Mois FM. Vishal, le grand jour approche. Quels sont vos sentiments à la veille de l'ouverture du Mois FM ? Ouais ? Je vous demandais quels étaient vos sentiments à la veille de l'ouverture du Mois FM. Ah ouais, je suis tellement excité. C'est le top, quoi. Tout est prêt ? Les préparatifs sont terminés ? Ouais. Il reste juste les rénovations du studio, hein. Puis c'est bon. Attends, et c'est stressant, mais un truc de malade, quoi. Je veux dire, cette année, on a vu les choses en grand, bah, en coma, si tu vois. Et on est passé au numérique, et c'était super sérieux. Hey les gars, d'ailleurs, il est quelle heure, là ? Ça perd les papettes ! On est trop à la bourre ! Il ne reste plus qu'à attendre le 18 mars. Rappelons que vous avez aussi la possibilité d'écouter leur programme toute l'année sur le site www.fréquencebanane.ch. Voilà donc pour ce mois FM de Fréquence Banane. C'était l'événement du jour. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.